Bonjour, nous sommes la classe bilingue de l'école Albert Guillaumard de Séné. Dans le cadre de la semaine de la culture régionale bretonne, nous allons vous présenter les activités de notre établissement. Nos spécialités, vous l'avez deviné, c'est la langue bretonne. Les maths Félicien, mon ara, Ia, mon ara, Petra peut prientet, prientet meus urbain trau. Cette semaine, nous nous sommes promenés avec un micro dans l'école. Notre école compte 9 classes. Nous avons rencontré en premier les maternelles. Ici, nous avons des classes bilingues et monolingues et nous sommes allés demander aux petits ce qu'ils pensaient de nous les Bretons. C'est comme ça qu'on nous appelle ici. Les Bretons parlent au breton. Eux sont pas pareils que nous. Parce que c'est en breton. Les Bretons, ça parle le français. Et les Bretons. Moi, je sais que ça parle au breton. Je comprends pas. Moi, je comprends. Moi, j'entends. Les Bretons, ils habitent en Bretagne. Les Bretons, ils ont un drapeau. Le drapeau de la Bretagne, en vrai, ça s'appelle le Guenadu. Parce que le blanc et le noir, ils font mélanger. Les Bretons, ça mange des crêpes au jambon. Mais Félicien, tu manges des crêpes au jambon? Ben oui, pourquoi? Pas toi? Ben non. Ah bah ça veut dire que t'es pas bretonne? Mais me war brisonnet. Oh tiens, il y a Sarah, Luna et Artus. Oh bah super, allez venez, on vous laisse la place. Des maths. Sarah, tu te souviens de la première chose que les parents nous apprennent quand on est petit? C'est la politesse. Merci, s'il te plaît, pardon. Tout ça, nous allons vous l'apprendre en breton. Nous retrouvons la classe élémentaire avec tous les niveaux mélangés du CP au CM2 pour une leçon de politesse. Secret, les arêtes et brisonnets. Comment dit-on en breton? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que en breton, s'il te plaît? Marplige. Comment on dit bonjour? Des maths. Comment on dit merci en breton? Trugaré. Comment on dit au revoir? Kenavo. Comment on dit pardon? Digaré. Comment on dit à la prochaine? Kenavéchal. Comment on dit à demain? Abenarwas. Trugaré mignonnette. Déon Daisy. Boscom à place da musique vraiment. Le groupe s'appelle Avel Glass et la chanson s'appelle Vent Bleu.
pas encore la récré, mais on se balade quand même dans les couloirs. Je sais pas ce que t'en penses, mais dans la classe de Maxime, ils ont pas l'air tous bien réveillés. Il est trop peur, Petraillouse. Il court. Mais c'est des 19 années, on dort. Prêche-toi. Dao, 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 bisme. Il est trop peur, Petraillouse. Il couche que tes ondes. Mais bisme. N'est-ce pas. Alors bismuth c'est le pouce, et donc on l'a matérialisé, on lui a donné une forme humaine, donc voilà, c'est Lucas donc qui a joué le rôle de Bismuth, et donc on l'a réveillé parce qu'il est en retard, c'est l'heure d'aller à l'école et lui il est encore en train de dormir alors que nous tous les élèves sont en classe déjà. Sympa leur cours, allez laissons-les travailler. Ferme la porte, continuons. Ah, on est encore chez les petits, écoutons ce qui se passe dans la classe de Julienne. Lundi en breton. Mardi en breton. Dimanche. Mercredi en breton. Dimanche. Jeudi en breton. Dimanche. Vendredi en breton. Dimanche. Samedi en breton. Dimanche. Dimanche en breton. Qui travaille bien. Je crois qu'il nous prépare une chanson avec les jours de la semaine. Et si on demandait à Véronique de nous traduire les paroles? Dylan Dimmer Dimmerer, Ayota Ayota Ayota, Dylan Dimmer Dimmerer, Adiria Adijener, Adisadorn Adisul, Ayota Ayota, Adisadorn Adisul, Chetu Achiversul. Lundi, mardi, mercredi, Ayota, lundi, mardi, mercredi et jeudi et vendredi. Et samedi et dimanche, Ayota, Ayota. Et samedi et dimanche, voilà, la semaine est finie. Dimmerer, Ayota, 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 Ayota. Dimmerer, Ayota, l'air de s'amuser en maternelle. Oh, ça me donne envie de chanter. Ça tombe bien, les élémentaires nous attendent avec les moutons. Ah bah, on va chanter avec eux alors. Vous écoutez Radio École. L'invité de la semaine. Mes chers compatriotes, place maintenant à l'invité de la semaine. Maxime Boll. Maxime est professeur. Il a une classe de maternelle bilingue breton. Et toute la semaine, il a présenté aux élèves de l'école les instruments traditionnels bretons.
Mais le plus spectaculaire, c'est que Maxime a gagné la finale de l'émission de télévision « La France a un incroyable talent ». Bon, pas tout seul, il faisait partie du Bagade de Vannes, vainqueur en 2015. Posons-lui quelques questions sur cette incroyable expérience. Pourquoi le Bagade a-t-il voulu participer à l'émission « La France a un incroyable talent » ? Je pense qu'ils ont décidé de participer à cette émission pour mettre la télévision à les regarder par des millions de téléspectateurs. Et donc c'est pour que finalement la télé se fasse la vitrine du Bagade. Et donc à travers l'émission, en fait, le Bagade a été vu par énormément de monde. Et donc énormément de monde, des gens même qui ne s'intéressent pas du tout à ça, ont pu découvrir ce que c'était qu'un Bagade, et notamment le Bagade de Vannes. Et grâce à ça, le Bagade a eu énormément de retombées. Donc il y a eu les 100 000 euros gagnés lors de l'émission. Ça c'est une chose, mais c'est surtout donc des invitations dans plein de festivals. Donc maintenant, moi quand j'étais petit, on allait faire des sorties, par exemple, je sais pas, à Séné, à la fête de l'huître, ou voilà, des petites fêtes locales. Maintenant, le Bagade, il fait des représentations devant des milliers et des milliers de personnes. Donc ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout la même échelle. L'émission Incroyable Talent a servi à ça, en fait, hein, à donner beaucoup de visibilité au Bagade. Est-ce que tu avais l'habitude de jouer devant un grand public et qu'est-ce que ça fait ? Alors, je vais vous décevoir un peu, mais en fait, le studio d'enregistrement de La France a un incroyable talent. Quand vous voyez ça à la télé, vous avez l'impression que c'est immense et qu'il y a un public incroyablement nombreux, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y avait peut-être, je sais pas, 300-400 personnes. Et donc, avec le Bagade, j'ai été habitué à jouer devant beaucoup, beaucoup plus de personnes que ça. Oui, dans des grandes salles de spectacle, devant 1000 personnes et plus même. Donc, on n'était pas spécialement impressionné par le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir devant nous, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'émission qu'on ne sait pas ou qu'on ne voit pas en tant que spectateur? Ce qu'on ne voit pas en tant que spectateur, c'est qu'on arrive très très tôt le matin et qu'on attend toute la journée dans des loges, dans des salles, et on ne fait pas grand chose. Finalement, on attend de passer sur scène, et ça c'est très long, c'est assez pénible. En fait, finalement, l'enregistrement de l'émission, ça dure quelques minutes. Et sinon, j'ai fait la bise à Laurie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Regardez. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine. L'invité de la semaine. Nous allons retrouver Maxime pour les instruments de musique breton. Les bombas, d'après vous, pourquoi sont-elles de tailles différentes ? C'est la question que Maxime nous a posée. Peut-être elles sont de tailles différentes pour le son. Pour ceux qui ont des âges plus petits que les autres. Quand je fais comme ça, oh, c'est un son très... Grave. Quand je fais... Bon voilà, je les ai mis sur la bonne voie. Ah, ça fait des sons différents. Ça va faire des sons différents, ça va faire des hauteurs différentes. Et donc alors, quelle bombarde fait le son le plus grave? Je sais. Mathis, viens me la montrer. Celle-là, prends-la. Et donc Mathis, si on suit ton raisonnement, quelle bombarde serait la plus aiguë? Elle. Parce qu'elle est plus petite. Parce qu'elle est plus petite. Ça, c'est un excellent raisonnement. Et donc, Mathis, il a raison, tout à fait. Donc, la bombarde la plus grave sera la plus longue, la plus grande. Et la bombarde la plus aiguë, comme ça, ce sera celle-ci. Donc, maintenant, je vais vous prêter mes instruments. Et vous allez essayer de souffler dedans. D'accord ? Pour voir, pour faire sortir un son. Allez, c'est parti. Un autre copain, passe à l'autre copain.
Non. Donc bon, il y a un problème là. Luna a dit, il manque un bec. Le bec d'une bombarde, alors ça s'appelle pas un bec, mais ça s'appelle une hanche. Ce sont deux fines lamelles de roseau superposées l'une sur l'autre avec un petit bouchon de liège. J'arrive pas. En fait, je sens quelque chose sur mes lèvres. Ah, ça chatouille un petit peu. Ça m'étresse, ça m'étresse. L'invité de la semaine. Maxime va me présenter un autre instrument. Il va de pair avec la bombarde. D'après vous, c'est... Bon, bah, si vous répondez pas, les élèves vont le faire pour vous. Des cornemuses. Une poche. Comme celle-ci, vous êtes d'accord, il y a une poche ici. Un sutel, c'est ça. Pour envoyer de l'air, pour souffler, pour remplir la poche. Un chalumeau ici avec les six trous pour jouer les notes. Ici aussi. Vous voyez ? Ah ouais, là aussi il y a des trous. Et ici, il y a un, deux, y a des petits traits. Trois. Il y a un grand bourdon, un bourdon moyen. Et un petit bourdon. Ça, c'est la cornemuse dont vous me parlez. Donc ça, cet instrument-là, c'est aussi une cornemuse. Parce qu'en fait, des cornemuses, il y en a partout dans le monde de différentes sortes. Il y en a beaucoup, dans beaucoup de pays. Celui-ci, c'est la cornemuse de Bretagne que l'on appelle le... Bignou. Oui, j'ai entendu le mot. Bignou. Et pour être plus précis, ça s'appelle le biniou cause. Et cause en breton, ça veut dire vieux. Donc le vieux biniou. Donc je vais essayer de faire fonctionner le biniou. Donc, d'abord, je gonfle la poche en soufflant dans le... Sutel. Une fois que la poche est pleine, ça va faire démarrer le... Bourdon. Le bourdon. Ah.
bourdon s'allume. Et pour faire démarrer le son du... Pour faire démarrer le son du chalumeau, il faut souffler plus fort. Garez, Maxime. Vous écoutez Radio École. Nous allons écouter Ni Dieu ni Humain, ni chaud ni froid. Arrête de faire le pitre, la vraie chanson c'est la jument de Michaud. Action. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'ai entendu le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'ai entendu le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Si dans 9 ans je m'en irai, la jument de Michaud va passer dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. L'hiver viendra, l'hiver viendra, la jument de Michaud s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud s'en repentira. Vétré, vésés, arrêtes et brésonnec. Comment dit-on en breton? Comment dit j'aime bien en breton? Mégave mat. Comment on dit c'est bon en breton? Madi. Comment on dit je suis à l'école? Mesoer school. Comment on dit quelle heure est-il? Pet heure et. Comment on dit jouer? Croirie. Comment on dit récréation? Port school. Comment on dit j'adore l'école? Megav mat air school. Comment on dit travailler en breton? Labourat. Comment on dit garçon et fille? Plar. Apôtre. Plar, c'est les filles et potre, c'est les garçons. Comment on dit mon chien a mangé mes livres? Marie, Eusdebrette, Malior. Et Kevin McLeod, vous connaissez? Non, pas du tout, non. Eh bien, je vous propose de l'écouter et après, on se retrouve pour une autre leçon de breton. C'est pas juste, hein, ça. Oh non, c'est pour rire, on va juste apprendre à compter. Enfin, je préfère ça quand même, parce que sinon c'était vachement compliqué et j'allais m'embrouiller, ça je peux te le dire. Vétré, vésés, arrêtes et brésonnec. Comment dit-on en breton? Est-ce que vous pouvez nous apprendre à compter jusqu'à 10 en breton?
Oui. Un an d'autri, poire, pêche, chouette, serre, erznaïdec. Encore mieux, on va vous l'apprendre en chanson maintenant. On va chanter une chanson qui s'appelle Un an d'autri. En français, ça veut dire 1, 2, 3. Un an d'autri, tapis d'autri. 1, 2, 3, touchez votre nez. Poire, pêche, chouette, tapis d'autri. 4, 5, 6, touchez votre fesse. 7, 8, 9, 10, serrez vos pecs. 7, 8, 9, 10, fermez votre bouche. Et voilà, l'émission est déjà finie. Oh, c'est super bien. Merci, merci de l'avoir écouté. Dans les émissions de radio, en fait, est-ce qu'on fait des rappels ? Non, je crois pas. Oh, bah pour une fois, on pourrait peut-être en faire un. Bon, bah ça tombe bien, les maternelles, en plus, ils voulaient nous chanter une petite chanson. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thibaut. Il y a des lettres en breton qui se ne prononcent pas comme en français. Est-ce que vous pouvez nous les dire ? Oui, le E, il n'y a pas d'accent sur le E parce que le E, ça se dit E, que n'avouez des maths. Ou alors, par exemple, quand il y a un C scrabache, ah oui, c'est un C apostrophe avec un H. Et là, je crois que tu l'as dit différemment, ça. Non. Bah elle a dit marpliche, sauf oui, quand ça se dit le là-bas. Le J se dit ch. Il y a plusieurs façons de le dire. Suivant là où tu habites en Bretagne. Oui. Bah parfois on peut dire marpliche et marpliche. Mais ça dépend de quoi ? Bah ça dépend comment tu parles. Enfin bah comment tu parles le breton, si tu arrives ou si tu arrives pas à lire Le breton et la région. Ah oui, il y a pas de W dans l'alphabet. Si j'ai amené ma flûte traversière. Ah ça tombe bien, j'en ai fait. Là, c'est pas la même manière. Ça, c'est une flûte traversière. C'est pas une flûte à bec. C'est beaucoup plus grand. Ouais, celle-là, elle est longue, ouais, c'est vrai. Donc là, il y a pas de quoi d'anche. Il y a pas de partie en roseau là, comme sur la bombarde et sur le bignou aussi. Donc il faut souffler dans le trou ici. Mais pas. Il faut mettre un peu. Ça s'appelle l'embouchure. Oui, d'accord ? Vous essayez ? Allez, vas-y, Timothée. Voilà. Alors, pour réussir à sortir un son avec une flûte traversière, il faut faire un sourire de clown. Maddy va jouer au clair de la lune. Alors, les studios, rendez l'antenne. Merci de nous avoir écoutés. Radio École, une émission produite et réalisée par Soyenne Productions.